les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La dernière fois on s'était laissé à la fourmilière. Donc voilà. Et c'est bon, Poupou et... vous pouvez... Je l'ai connu dans... Et si c'est vrai, Marc Ruffalo. Je connais pas. Vous êtes le gars du portail ? Oui, c'est moi, Théo, le gars du portail. À votre service. Je m'appelle Kamala. Vous pouvez voir ce que j'ai dit. Merci. Mais vous devriez aller parler à Sarah. Elle est plus loin, à côté du grand écran de surveillance, et elle meurt d'envie de vous rendre. Moi ? D'accord. Bienvenue dans la fourmilière. Hé, je... Ah, vous êtes la Midbeam qui parcourt le désert ? Est-ce que l'AIM vous a envoyé pour nous espionner ? Quoi ? Non ! Je plaisante ! J'ai placé des caméras dans certaines des machines cassées que vous avez pu voir dans le désert. C'était génial de vous voir combattre les chiens de garde. Merci. Je m'appelle Sarah Garza. Et il y a déjà beaucoup de choses qui circulent à votre sujet. Des bonnes choses ? Ah ouais. On aimerait que vous rejoigniez notre équipe. Si jamais vous avez du temps libre, il y a beaucoup à faire. Hé, hey, j'aurais besoin de votre aide. C'est génial. Vous assurez. Dites-moi quand vous avez terminé, d'accord ? Merci. C'est incroyable. Il faut que j'annonce à Maddy que vous avez dit oui. Vous pourriez regarder ce qu'il y a dans le coffre derrière vous ? Je viens de recevoir une nouvelle livraison et j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Bien sûr. Ouais, bah, qui connaît pas ? Mets ta bouche sur le bord du trottoir ! Je parie que Sarah va apprécier. Vous avez une seconde ? Merci beaucoup. Pas de problème, content de t'avoir pu aider. Vous voulez que je vous dise un secret ? Les robots qui sont ici sont tous issus des projets de PIM. Le tout premier, Marc. Ça répond. Pas de l'atelier à côté de l'escalier. On ne peut pas le rater. Ok. Bah écoute, je connais pas Alec Baldwin donc. Mais je vois pas c'est qui ! Avec Edward Norton. Oh, c'est un nom. Un nom ne met pas un truc sur un visage. Donc, c'est comme tu disais, Katsuni, pour moi, je te dis Katsuni, tu sais pas c'est qui. Hein. C'est comme si je te disais Katsumi. Katsumi, c'est qui, Poupou ? Vas-y, dis-moi. C'est qui, Katsumi ? Tu connais ? Et elle connaît en plus, putain. Tu vois pas c'est qui, C'est pas vrai. Il connaît les visages, pas les noms, sûrement. Ouais, je connais les visages, pas les noms. Après, je connais Statham, lui qui fait un ancien Sénégal. Après, il y a l'autre, le machin. Je sais plus. Moi, j'en vois un ou une, je sais qui c'est. Stallone, ouais, Stallone. Après, il y a le chinois aussi, là. Je sais plus. Lui avec sa queue de cheval. Lui avec sa queue de cheval. Pas le chinois, mais l'indien chinois, comme ça. Je sais pas comment. Comment vous dire. Il est désormais vôtre.
veux vous voir dans son bureau. Quoi? Le docteur Machucho, c'est moi. Passez voir au labo, je vous donnerai quelques petites surprises. Hé, hey, Avenger! Regardez-moi ça, c'est pas un noir. Votre secret sera bien gardé. Vous m'avez demandé de passer ? Oui. Je suis peut-être pas une humaine, mais je peux vous fournir en équipement et en gadgets. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous rendre plus rapide, plus forte et plus extensible, demandez-le moi. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Ça me permet de confier quelque chose de plus important à celui. Apportez-moi les matériaux dont j'ai besoin et je construirai des équipements qui feront le plus grand malheur de l'AIM. J'ai déjà quelques prototypes, vous pouvez y jeter un œil. Salut ! Aquaman ? Ah, bah si, Aquaman, je connais. C'est génial ! Je suis impressionnée. Je peux vous aider pour quelque chose ? Pas pour l'instant. Mais vous pouvez aider ce cher Pin sur une petite tâche. Allez voir le terminal de mission. Il vous donnera tous les détails. Le terminal de mission, si c'est noté. Levez la tête et redressez les épaules. Vous vous en sortez très bien. Je crois qu'il est temps de montrer à l'AIM mon plein potentiel. Qu'en penses-tu, Jarvis ? Duncan, si, ça me dit quelque chose. Mademoiselle, ça me dit quelque chose, Duncan. Bon, attendez, on va faire une petite mission. Bon, Michael Clark, plutôt là. La ligne verte. Ah, c'est le blanc qui joue dans. Ouais, je vois qui maintenant. On va regarder quelle mission on va faire. Non, c'est le noir. Oh. Ok. On va faire la mission. Patrick Wilson. Bon, je vous ai posé parce que hein, ça avait marre de baisser ma tête à chaque fois. Jason Momoa, Aquaman est aussi dans Gotch. Oh. La petite Fifi, elle fait dodo sur les pieds à papa. Hein. Tu vas pas me dire que j'ai déjà bientôt fini la campagne. Ça peut pas être possible. Moi, bon, je sais pas encore assez. Donc du coup
Benedict Cumberbatch. On connaît pas. Bon, caméra l'eau. Faut pas chier. Lui, moi, lui 13. Tom Holland, il vient d'Hollande. On va prendre Iron Man, c'est lui. Il est plus fort. Ah, ok. T'as vu avec Robert qui mangeait des camemberts parce qu'il était vert comme Hulk. Cette attention était le premier laboratoire de l'AIM. Mais cela fait un certain temps qu'il se concentre sur la présence principale. Et dire que celle-ci est simplement un lien protégé. Compris. On va aller avec un millier de patrouilles de l'AIM. Avec un peu de chance, on pourra récupérer des informations susceptibles de nous éclairer sur ce qu'il faut nous dire. J'ai indiqué une entrée du complexe sur votre attelage. Attention aux patrouilles. Merci infiniment. C'est bien naturel. Vous m'avez aidé à venir quand tout semblait perdu. Savoir que la résistance de Bassel m'a pas donné espoir. On dirait qu'un champ s'est enfin de notre côté. Je l'ai pied à l'eau. Ça me dit quelque chose. C'est du gâteau. Raté, raté. Raté. C'est les piolo, ouais, je connais. C'est la partie des avec Deep. Jim Carrey, ouais. Jim Carrey, je kiffe Dumb and Dumber. Il faut aller là-bas. Cool.
Il fait mieux encore. Moi, j'ai kiffé, c'est quand il a mis son truc de pipi qui avait une blague à son pote pendant autant d'années. Morgan Freeman, je kiffe. Hulk. La quatrième lumière jaune, je peux savoir. Allez, plus que moi. Même dans... Ouais, je sais, il y en a plus que moi. Mm-hmm.
Maman non plus. TV? Ok, TV. Bah, regarde la TV. Hein. Ah, ben, j'ai rien senti. Et Poupou, quand elle râle, elle pète. Et elle fait de la musique toute la nuit. Ah, j'ai envie. J'ai envie. Tu m'as manqué. J'ai envie de te faire chier. Je peux pas. Je peux pas. Et ouais, je croyais qu'elle était partie. Pas pisser, hein. Tu vas y pisser, j'ouvre la porte. Tiens, comme t'es réveillé, j'ouvrirai la porte parce que, hein. Et en plus, il fait beau, alors. Tiens, va dehors. Tiens, va dehors. Ouais, mais si tu mets derrière la porte quand j'ouvre, c'est sûr que tu seras pas les dehors. Hein. Vas-y là, Fifi. Va dehors, va faire caca. Va faire un caca pour ton papa. Vas-y. Mais va dehors. J'ai pas ouvert la porte pour les couilles du pape. Bon. C'est tout ce qu'il y a ici. Ah non, il y a des trucs. C'est tout. Ah, y a plus. Poupou. Poupou. Oh oui, ma petite poupou, ma petite poupou. Bon, j'espère qu'elle va faire sa crotte. Je détecte du mouvement de ce site sur le site près de votre position. Vous pouvez peut-être récupérer des ressources du magasin. Yeah, j'arrive. Eh, mais tu casses les couilles, toi. Eh, Hulk, c'est pas tout seul, mais viens, j'ai besoin de toi. Elle fait la tête, elle répond plus. Dis-moi que tu fais caca. Oh merde. Bah, fallait pas marcher. T'as pas un petit vélo quoi pour sortir quand tu sors? Oui, des ressources. Des ressources, oui. C'est quoi ça?
fallait pas marcher, Phénix. Hein? Mais non, j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça, ma petite poupou. Ah. Ah, je demande, hein. Et des vélos que tu marches, t'as déjà essayé? Il y a des vélos que tu peux marcher. C'est un tapis roulant que tu marches dessus. Ouais. Tu veux jouer aux roquettes? Voilà. Fallait pas jouer aux roquettes. Là, inutile. Bah si, pourquoi pas. Tu vas me dire que t'aimerais pas faire du vélo. T'es nul. Ouais, bah tu m'as compris, hein, poupou. Ouais, je sais, je vais le chercher. La ferme. Ouais. T'es pas ma meuf, hein. Tu l'as dit toi-même. T'es mon ami, t'as dit. Donc chut. L'IEM a lancé les procédures d'urgence. Non, sinon je te dirais pas la ferme. T'es sérieuse. C'est une excuse. C'est une excuse, ah ouais. Je trouve que c'est une excuse, moi. Je les défonce. Je les défonce. Tout bébé avec mon gars. Ah, moi pareil. De quoi là? Dis quoi là? Bon, ils font le boulot à ma place, hein, c'est cool. Hein. Mais non, quand je suis avec ma copine, je suis tout bébé, je veux dire, tu m'as compris. Oh. Je suis pas gay, hein. Je vais de l'avant, pas de l'arrière. R2 pour viser, R2 pour tirer. Ah, mais j'avais compris. Moi aussi avant, pas rire. C'est pareil pour moi, tu sais.
Je mords moi, MDR. Tu mords. J'allais dire une connerie, t'as de la chance sur live. Attends. Alors, vous étiez prisonnier, vous aussi? Vous n'êtes pas un humain, pourtant. D'après Tartan, quiconque a des pouvoirs est une menace. Ils ont été même physiologiques pour que je n'utilise plus jamais les loups. Si je change de taille, je meurs. Regarde ce que je t'ai envoyé. Ramène-nous. D'après le dossier. Oh, mais regarde ce que je t'ai envoyé. Des ennemis? Ouais, non. Bon, faut ouvrir la porte là, il y a déjà un truc là. Ça fait deux. Attention, l'AIM a toujours un plan de secours. Moi, si c'est pas comme un jeu, je peux faire mal. C'est ça le truc. Bon. 3. Il est où le quatrième? Open. Simon, lui, ça a failli. J'ai chaud, grrr. C'est clair, Poupon enragé, Gaëtan, toi tu m'as pas eu comme ça. Simon, lui, a failli. Mais de quoi? A failli quoi? Tu précises pas, c'est chiant. Bah moi je suis le jeu, tu vois. Tu te calmes, oui. Ouais, regarde, je me calme, ok.
Hey. Où est le labo? Arrête de manger des cochonneries. Il cache quelque chose. Ça, on va s'en occuper. Ouais. Bah ouais. Y'a l'heure. Tu vas pas venir mettre la fessée, t'es pas là. Alors la peine de quoi? Je mériterai un grincheux, je vais taper. C'est le moche, tu peux m'appeler aussi, ça me va. Tu peux m'appeler le moche? C'est aussi bien. Vu grincheux, il est moche en plus alors. Bah il est moche grincheux. What, c'est quoi ça? Bah si, grincheux, il est moche. Il est aussi beau que mes pieds. Poilu et puant. Il n'y a pas des arêtes dans ce que je dis. C'est pas du poisson. Oui, à fond dans le jeu. Je m'énervais. Mode Hulk.
beaucoup à Alter Ego Avengers à fond. Beaucoup dans les jeux, mais de quoi beaucoup dans les jeux? C'est pas forcément prévu. On a récupéré des échantillons très utiles, mais l'AIM est bien plus puissant que ce que je pensais. Et ils ont capturé beaucoup de semblables. On doit les arrêter. Je suis d'accord. De Libyen. Bien sûr. Il sera bien plus facile. Bah, il est dans le jeu. Ça? C'est ça? Retourne à la formule, on pourra discuter de la suite. Vous étiez à San Francisco lors du Mayday? Bingo. J'y étais avec ma sœur. Sœur? Elle devrait être dans le coin. Beaucoup dans le jeu. Ça veut dire quoi, beaucoup dans le jeu? Peut-être qu'il y a beaucoup dans le jeu. Mais non, c'est pas question qu'on court entre chaud, c'est pour te faire chier, ouais. C'est drôle. C'est tout? Je mérite pas ça. Eh bien, la résistance n'est pas d'accord avec vous. Pas du tout. Merci. MDR. MDR. Tout va bien? On dirait qu'il y a un problème. Des pouvoirs de feu? C'est Kamala. En fait, au début, c'était une fan et en fait, il y a eu un truc qui fait que tout le monde a eu des pouvoirs. Et du coup, elle taffe avec les Avengers. Bah, pour l'instant, Bruce et Tony. Ah!
Ah, je sais pas. Je voudrais que vous envoyiez un vos châssis disponible aux chimères avec du matériel. Héroï. Surtout, soyez discret. Ce que je viens de dire, c'est que tu peux plus enchaîner. Eh, je peux vous parler? Oui. Oui. Un problème. La IA va déplacer tous les inhumains. Bientôt. Ok. Toi, tu vas parler à Dante. Pardon, mais qui est ce Dante? Un des inhumains qui ont survécu. On a pu le sortir là, mais sa mère y est toujours. L'IA a renforcé la sécurité après l'évasion. Je vois. Il va falloir les aider. C'est pas une bonne idée. Quoi? Il y a des inhumains là-bas. Et aussi à la lame de Dante. On va pas rester à rien faire, d'accord? Roy vient partir avec les noyaux d'énergie. Il sera donc là dans moins d'une journée. Il faut attendre. Je comprends pas. On a vu Kamala. La résistance essaie d'infiltrer cette installation depuis des mois. En sortir était beaucoup plus facile que d'y rentrer, et on avait de l'aide. Au sol, ces murs sont quasi impénétrables. Vous avez vu ce dont on est capable. Tu peux aider? C'est trop risqué. Vous comprenez pas, vous êtes pas inhumain. J'ai coupé la vidéo pour YouTube, ce sera la fin de cette vidéo et moi je vous dis peace à la prochaine, c'était Spagame 1709, ciao.